Eh bien, salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de l'organisation. Donc cet épisode dure un petit peu plus longtemps que les autres, tout simplement parce que je voulais absolument que le dernier épisode dure plus longtemps. Donc j'ai fait en sorte que les deux autres épisodes soient plus courts pour vous faire un bon épisode. Pour ce dernier épisode en tout cas, j'espère que cette petite série sur Dark RP vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Je voulais vous faire passer un petit message voilà, au début de la vidéo pour dire, voilà, dernier épisode, ça fait plaisir. Donc en tout cas, bon visionnage à toutes et à tous. C'était Oxylac, salut tout le monde. On sait jamais, s'il y a les flics, tu te caches dedans. Ah, trop bien, trop stylé. Très, très bonne idée, très ingénieux. Ouais, c'est un génie le gars. Je sais. Un génie. Génial. Bon, je vais essayer de trouver des nouveaux partisans là. Il faut qu'on se fasse une armée. Ok. J'espère que l'autre il a pas bougé là, celui qui parlait pas trop là. Ah putain, il est parti. Ok. C'est pas grave. On va descendre. Y a rien là ici. Là. Personne. Ah, mais c'est à lui ça. Ayancho. Eh, mais il a. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. Ryan Show. Pourquoi il y a une voiture de police ici? Putain, il y a des voitures de police partout. Oh bah tiens, on va aller faire un petit tour, ça va être plus pratique pour trouver des gens. Voilà, très bien. Par contre, c'est un peu de la merde. Oh! C'est un peu la caca la voiture, hein. Ça va être plus rapide pour faire un petit tour. Oh! C'est pas grave, c'est pas ma caisse. C'est pas ma caisse! Oh! Oh! Ouah, c'était chaud! Merde, mec! Attends, c'est bon, tu vas bien? Je suis encore là! Wow! Attends, je suis désolé. Attends, je m'arrête. Wouh! Tu vas bien? Merci. Ouais, je suis vraiment désolé. Je t'ai écrasé et tout, je t'ai pas vu. J'ai vu un petit schtroumpf au milieu de la route habillé en bleu. J'ai pas calculé, moi. Je sais. Bon, est-ce que vous voulez une surprise ou pas? Je viens de t'écraser, tu veux me faire une surprise? Bah oui, parce que moi j'adore les sushis à l'Oxylac. Ah, moi aussi j'adore les sushis à Oxylac. Donc si t'as de l'argent et que tu veux investir dans une entreprise très lucrative, tu es le bienvenu. Ah d'accord, bah attends, tiens, une surprise. Super, il va me donner une surprise. Oxy joue plus de 1h30 au même jeu, XD, 36h sur Arc doivent être compliqués. J'ai une voiture. Ouah, 3. Ouais. Super, c'est hyper généreux mec, merci beaucoup. Ça va beaucoup servir notre cause. Ouais. Il faudra que tu viennes avec nous. Est-ce que tu connais l'organisation? Bah. Je sais qu'il me stream soul. T'en as déjà entendu parler? Si t'en as pas entendu parler, c'est normal. Et j'en suis bien content. Parce que si les gens en entendent parler, ça pue du cul. Donc est-ce que ça te dirait de rejoindre notre groupe? Ouais. Ok, bah alors je te recontacterai. On est en train de former un groupe pour prendre le pouvoir et tuer le maire. Mais il faut pas le dire. Okay, chut, quelqu'un arrive. Chut, faut rien dire. Ok. Ah oui, par contre, les sushis à l'Oxylac, c'est vraiment très très bon. C'est tout droit, t'inquiète, tu peux y aller. Il y en a là-haut, en haut de la ville. Voilà. Oh, attends. Bonjour. Ah, mais c'est toi, trop bien! Je peux monter? Ouais, vas-y. Voilà, super. Mais non, ramène-moi mon appart, s'il te plaît. Attends. Je me dépêche parce que mes printers faut pas qu'ils pètent. Alan, ouvre-moi vite! Ouvre-moi, Alan. Ouvre. Alan, c'est moi! Ouvre-moi. Merci beaucoup. Regarde! J'ai fait un nouveau truc. Ouah, recharger. Vite. Ouah.
Ah, c'était chaud, ça a failli exploser tout ça. Ah oh, ok. C'est pour ça que j'étais en stress. Vincent, ouais. Pour Vincent, il faut déjà ouvrir cette boîte. Ok. Pour ouvrir cette boîte, il faut aller dans la salle de bain. Et le keypad sera dans la salle de bain. Qui est bien caché. Il est caché où? Derrière la porte, je suis sûr. Ah oui, oui, oui. Ah, stylé. Et c'est quoi le code? Juste 91? Ouais. Ok, super. Simple, efficace, j'aime beaucoup. Oui ouais. Monsieur, venez voir, il y a des gens qui font les touches chelous là. Venez voir, j'arrive tout de suite. La fenêtre, s'il vous plaît. Ça va les gars? Regardez, sinon aussi on peut mieux voir. Qu'est-ce qui se passe? What? Mais... Ils veulent venir chez vous là. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? C'était Yamakasi. Ah oui, faut croire. Par contre, je me ferai pas avoir, ils m'enfermeront pas dans cet appart. Mais what the fuck? Y'a des mecs sur notre toit. Bon, je te préviens, y'a des Yamakasi sur le toit de notre appartement. Ok, c'est bon. Monsieur, je vous ai ramené votre voiture. Ah super, merci beaucoup, c'est cool. Merci beaucoup. Ah, combien, t'as demandé combien de caisses toi? Combien? Il en faudra beaucoup pour mettre notre plan à exécution. T'as cru qu'on était une armée ou quoi? Nous sommes une armée. Nous sommes Anonymous. Ouais. Ouais. Je me casse. Waouh, waouh, waouh. Mec, arrête-toi, faut que je te parle. Viens oui, avec moi, viens mec, viens. Fais-moi confiance. Ouais, quoi? Salut. Bonjour. Bonjour. Et monsieur, vous voulez quoi? Attends, je finis avec monsieur l'agent de police et je suis à toi tout de suite, mais j'ai un truc, t'inquiète. Non, ok. Oui, je peux quelque chose pour vous, monsieur l'agent? T'as un cadeau. Oh, super, merci beaucoup. Donc je suppose qu'on peut compter sur vous. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir rejoint la cause. De rien. Vous verrez que vos efforts seront récompensés. Salut Nanou, bienvenue sur la musique. Viens. Monsieur, il y a quelqu'un qui a volé là une voiture de police là-bas. Merci encore. Oui, c'est vrai que là-bas il y a une voiture de police qui s'est fait voler. C'est pas grave. Viens avec moi, toi, il faut que je te parle. Bon, monsieur l'agent, du coup, je sais que je peux compter sur vous. Quel est votre nom? Voilà. D'ailleurs, monsieur l'agent. Récupérez cette voiture, c'est une voiture volée. Descends de la voiture. Évite de faire ce genre de choses. Monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez vous occuper des personnes qui sont au-dessus des toits de l'immeuble? Il faut absolument que la police s'occupe de ça. Occupez-vous de ça. Il faut défendre la cause. Oui, allez-y. Messieurs les agents, je vous laisse vous en occuper. Oh. Super. Viens avec moi, toi. C'est quoi ton nom? Ça fait combien de fois qu'on m'a écrit? Avec la blouse jaune. Je m'appelle Gérard. Mais ok. J'ai des trucs à faire, monsieur. Suis-moi, Gérard, faut que je te parle. Je m'en bats les couilles que t'aies des trucs à faire. Viens avec moi. Ah, monsieur, par contre. Non, t'inquiète, je t'emmène pas dans un appart, je t'enferme nulle part. C'est juste pour qu'on soit tranquille, t'inquiète. Ah, ok. Tiens, viens, on se met ici. Dis-moi, est-ce que t'as déjà entendu parler de l'organisation? Tant mieux, c'est très bien si t'en as jamais entendu parler, sinon ça craint. On est une organisation qui est en train de se créer pour renverser le pouvoir et tuer le maire, mais pour ça on a besoin de financement. Nous avons beaucoup de personnes qui aident à financer l'entreprise, et on voulait savoir si ça te dirait de te joindre à nous pour renverser le pouvoir et rejoindre notre armée. Allez. Je sais pas, monsieur. Je ne sais pas quel métier tu fais, mais en tout cas, ça pourrait beaucoup nous aider. L'autre, il sait pas. Le maire Je pourrais pas le rejoindre
Je suis déjà avec. J'ai des trucs, beaucoup de trucs à faire et voilà quoi. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Merci beaucoup, Gérard. Je vous remercie. Mais en tout cas, si vous voulez nous aider à Non. investir un petit peu dans l'entreprise sans jamais n'avoir affaire avec nous, tout don est la bienvenue, bien sûr. D'accord. Donc si vous voulez nous faire un don, Je vais là, tout de éteindre suite, mon maintenant, je ordinateur. vous en serai très reconnaissant. Tu donnes ton fric. Donne ton fric. Ouais, Voilà. Merci beaucoup. Vous serez récompensé pour ça. Vous entendrez reparler de nous en bien. MDR, on dirait Hollande qui promet plein de trucs. Eh, n'empêche, j'ai 23 000 dollars, les gars. J'ai 23 000 dollars. Si t'es un manipulateur en vrai. Il va poucaver la police, mais pas du tout. La police, elle est à moi, mec. La police, elle travaille pour moi. Aïe. Toi. Eh, reviens là. Tu crois que tu vas aller où? Viens là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Rien. Rien. T'es sûr? Tu fais rien? Pourquoi tu rôdes autour de chez moi? Non, mais pars pas, viens là, mais arrête de crier, t'es sérieux, t'es un PD ou quoi? Viens là, mec, viens, rien, viens avec moi, je vais pas te tuer, viens, suis-moi, aie confiance au moins, viens. Suis-moi, aie confiance. Bon mec, c'est quoi ton boulot? Tu travailles pour qui? T'es une sorte d'agent secret, un truc comme ça? Un infiltré? Non, je vole les gens. Tu voles les gens? Ok. Est-ce que ça te dirait de travailler pour Ouais, moi? oui! Je vole les gens. Ouais. Ouais, ça te dirait? Alors j'ai un boulot pour toi. Salopard. Arrêtez de faire du bruit, oula. Viens avec moi, Ouais, viens avec je vais moi. manger des Viens légumes. avec moi, viens avec moi. On va parler tranquille. C'est quoi ton nom? C'est Julien Toutoupel. Ok, bah Julien, suis-moi. Ouais, c'est mon voisin, il est jamais là. On va pouvoir discuter tranquille ici. Alors, donc, on est en train de créer une organisation. Ça te dirait de nous rejoindre. Mais oui, je vais. Mais oui. Oui, ça te dit? À fond. Allez. Ok, très bien. Alors, j'ai un job pour toi. Il faudrait que tu voles un maximum de personnes et que tu nous ramènes l'argent pour pouvoir financer l'entreprise. Je vais Oui. sans doute partir pendant un moment, donc si genre tu peux t'occuper de mes printers, ça serait super. Ok. Merci beaucoup, je te fais confiance. Faut que je trouve un vendeur d'armes, que je lui dise viens avec nous, rejoins notre cause. Où je peux Monsieur? Hop. Ouais. Y a quelqu'un qui m'a parlé de ce que vous faisiez. C'est-à-dire? Contre vous savez qui. Si vous me payez un peu, je pourrais vous aider. Je vois pas vraiment de quoi vous parlez en fait. Je sais pas, cette personne qui m'a parlé par de certains investissements C'est toi qui as parlé? et T'es de qui toi? Je retournement. t'ai jamais vu? Tu sors d'où toi? Non, c'est pas moi. Si je t'ai donné 10 000 tout à l'heure. Je vois pas. T'as changé de métier? Just. Oui, j'ai changé de métier. Ah, cool. Donc tu sors des infos d'où Si tu veux, toi? j'ai une voiture, je On te va l'appelle. pas. Hein? Je sais pas, c'est lui qui m'a dit ça. Et lui, C'est c'est lui qui qui? m'a dit ça, Il y a hein. une Lui, c'est voiture à qui? côté de chez toi, c'est cadeau. Merci Bah beaucoup. lui, c'est Lui. lui là. Non, toi, Et bah. tu racontes des conneries. Allez, casse-toi. Est-ce qu'il m'a répondu l'autre, au fait? Message. À côté de la mairie sur le parking. Ok, super. Ah non, c'est de l'autre côté. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, je vous ai envoyé un SMS. Ah, c'était vous monsieur. Oui, je suis Michel. Alors, j'aimerais Bonjour, savoir. enchanté, moi c'est Nicolas. J'aimerais savoir Oui quel, monsieur. ti quel type d'arme vous pouvez fournir. Bah, ça peut aller du sniper à la mitraillette, au fusil d'assaut et au petit pistolet. D'accord, Après, c'est super. votre choix. Et Non, ça dépend de. Est-ce Bonjour qu'il monsieur, y il faut a. des armes, s'il vous plaît. Allez, t'attends ton tour, s'il te Attendez plaît. votre tour, monsieur, s'il vous plaît.
Y'a pas... Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Moi, je suis cash, il me faut deux ACR, s'il vous plaît, messieurs. Dites-moi le prix, j'en ai pour deux, s'il vous plaît. Vas-y, allez-y, occupez-vous de lui, je peux attendre un peu. Occupez-vous de lui. C'est pas grave. Moi, lui, je veux qu'il bosse pour moi, lui. Lui, il faut qu'il bosse pour moi. Bon, voilà. Que voulez-vous, monsieur Michel. Déjà, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen que vous fermiez les portes à clé, il faut que je vous parle. Ah, pas de problème, allez. Pas de problème, monsieur. Que voulez-vous? Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'organisation? Non, monsieur. Non, et bah écoutez, c'est tant mieux. C'est une organisation secrète qui est en train de prendre le pouvoir petit à petit dans la ville. On est déjà plus d'une dizaine à y avoir rejoint. Et on aimerait... Oh, lourd. Nous recherchons un vendeur d'armes actuellement. Et je voudrais savoir si vous seriez disponible pour fournir l'organisation. Bien sûr, vous seriez rémunéré, mais je voudrais savoir s'il y aurait possibilité d'avoir de grosses réductions pour pouvoir bien se fournir à bas prix. Bah, en fait, si vous voulez des réductions, faudra qu'il y ait beaucoup de demandes d'armes, en fait. Sinon, je gagnerai pas beaucoup, et ça me rapportera rien, en fait. Le but n'étant pas que vous gagniez beaucoup, là, pour le moment, mais que vous gagniez beaucoup à long terme, une fois que l'organisation sera au pouvoir, vous inquiétez pas, vous serez bien récompensé. Ok, moi je suis chaud. Du coup, il me faudrait pour le moment une arme d'assaut et après que je revienne vous voir pour commander d'autres choses. Voilà. C'est bon, monsieur. Super, merci beaucoup. Il y a quelqu'un dehors, il y a quelqu'un à notre balcon, il y a quelqu'un à notre balcon. Ouvrez. Ouais, mais j'ai pas les clés. Ouvrez-moi. J'ai pas les clés pour moi. Attends. Ouvrez. Ouais, t'inquiète, on va t'ouvrir. T'inquiète pas. Vas-y. Vas-y, rentre. Attends, je t'ouvre la porte, c'est handicapé. C'est jamais. Il est parti là-bas. Ok, très bien. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Bon. Ça va, Bastien, tout se passe bien? Ouais, y'a un mec Michel, qui est passé par là. Ok. Y'a un pont au-dessus de vous. Ouais, je sais. Ça va en bas? Je crois qu'Alan il est mort. les gars. Allez. Non, je veux pas recharger tout de suite. Tu fais quoi toi? C'est quoi ces machins? Tu fais quoi? T'es qui toi? D'où tu sors? Comment t'es rentré? Bouge pas, reste dans le coin mec. Je sais pas moi. De quoi? Attends monsieur. Regardez. Mets-toi dans le coin, je te bute tout de suite, mets-toi dans le coin. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, on m'a dit d'entrer, la porte était ouverte. Mais d'où on t'a dit d'entrer que la porte était ouverte? Du coup toi tu rentres comme ça, tu crois que tu rentres comme ça chez les gens? Le négociateur. Monsieur regardez, au secours. Le négociateur, je sais pas. Je t'aurais prévenu mec. T'irais pas, je suis le négociateur. Tu viens négocier quoi? Ah merde, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Moi j'étais quoi? Tu t'es trompé de maison. T'inquiète, c'était au HLM. Ouais, mais c'est pas cet appartement là. J'ai une maca dans les mains, je lui dis c'est pas ici, mec. Oh, ok, super. Ouais, y'a pas de problème. C'est ça, mais. D'où il me fait flipper comme ça? Bonjour monsieur, je suis négociateur. Eh, hey, il est perché le flic hein. Attention collègue. Bon, toi tu vas contre le mur, je t'ai vu me tenir en jeu avec une AK tout à l'heure. Enfin là-haut. Hein? Viens avec moi, Sam, viens. Viens, Sam. Sam, viens. Tu veux la sortir de mon AK? Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Tu veux venir aussi? Qu'est-ce qu'il se passe? Il faut que mes potes ils viennent me sauver là.
veuillez vous mettre contre le mur, nous allons faire une vérification de passage. Les gars, écoute-moi toi. Écoute-moi. Oui. Vous faites quoi là ici? Oui. Oui. Une prise d'otage. Une prise d'otage, monsieur. Prise d'otage, on vous demande. Mais faut vous occuper de la prise d'otage, vous savez où vous êtes là? Bah oui, on est dans les HLM, monsieur. Non, mais vous savez ce qui se passe dans les HLM autre que votre prise d'otage? Ah, il se passe quoi? Bah là, oui. Bah, il se passe quoi? Faites attention, vous êtes faut faire gaffe à ce que vous faites comme il y ça. Il y a un tournage pornographique. Je veux participer. Ouais, bon, par contre, tu sors quand même pas. Hein. Faut faire faut faire des trucs bien. Donc ça, toi là, toi, faut que je te parle absolument. Toi, je te cherche depuis tout à l'heure, il faut vraiment que je te parle. En plus, il regarde mon stream, lui, c'est presque impossible. Non, casse-toi, reviens. Tu es. Non. Voilà. Enfin, vous êtes là. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Oh putain, non. Il est bâtard. Il est bâtard. Non. Putain, ils ont niqué le game, quoi. Putain, on pouvait pas les acheter, eux. C'est un truc de ouf. Oh, la déception. Mais en même temps, c'était pas mal. C'était plutôt pas mal. Il y aura une bonne vidéo qui va sortir demain, je pense.